Oh Léon, ça a poussé depuis la dernière fois, ça. Ça touche. Bonjour. On descend le chariot. Oui, il est tout. Ça en tient bien, ça va. Vous tenez là ? Oui, vous tenez là, c'est bon. Moi, je fais rien. Voilà. Et voilà. Dans l'eau comme ça va. Hein. Oh, mais moi je trouve que ça va mieux quand c'est un autre qui le fait. Oui, quand oui on regarde, c'est vrai. On sait ce qu'il faut pour faire. C'est moins dur. Bon, il va pas avancer fort avec le vent. Hein. Ah, aujourd'hui, non. C'est trop fort le vent. Non, aujourd'hui, il n'y aura pas de vent. Donc c'est pour ça qu'on a un moteur au corps. Par contre, et ça, c'est pour la fleurie. Ouais, mais celui-là sera pas fleuri. C'est quand, là, demain. Ah, c'est demain, déjà. C'est un super gouvernail, là, celui-là. Incroyable, il est énorme. La pièce de bois, elle est belle. Ça réagit tout de suite. Gouverneur à la nuit, c'est quand je vois son truc, ça donne l'impression que c'est un travail. C'est une autre de travail, ici. Il n'y a pas d'injection. Non, il n'y a pas d'étincelle. Il n'y a pas d'étincelle. Là, on n'avait pas le vent favorable pour la voile. Hein. Là, non. Mais non, mais tout à l'heure. Ah oui, mais là, maintenant... Demain, on va avoir chaud. Hein. Là, il fait chaud déjà. Là. Demain, ça va être pire. Hein ? Ça va pas de nuit ? Ouais, si on se met là, attends. On va arrêter, on va finir à la perche. Oh, bah attends, approche un peu. Oh, non, tu peux pas percher un peu ? Non. Oh, c'est pas possible. Bon, ça, il mais, eux, ils vont mettre leur statue, ils vont pas l'amener leur truc, ils vont la mettre là-bas. Ça te dérange pas, je pousse, Jean ? On peut pas le penser à le mettre là ? Hein ? Tu veux qu'on se mette là ? On peut se mettre là. Hein. Vous pouvez vous mettre là ? Ah oui, où tu veux ? Bah oui, oui, mettez-vous là. On n'a pas un sou pour travailler. Ce matin, elle m'a dit que non. Bah oui, mais... Il doit manquer un peu de poids. Non, là.
Le village est partiellement détruit et les habitants y ont perdu la vie. La peur est partout. La fatalité s'installe et l'espoir que cette guerre finisse vite s'est évanoui dans les brumes de l'hiver 40. Partout où elle passe, Notre-Dame est très attendue car elle apporte avec elle l'espoir de la paix. Aujourd'hui, elle est au pays de Briey.
S'achève cette scénoparade. J'espère que ça vous a plu. Un seul bordel. Quelquefois dans les moyens grands, il y avait des petits. Des doubles bordées. Et celui-ci, il a un double bordé. Et il a taille qu'il fait. Donc il servait aussi à remonter pour la noire. Remonter le noir et la motte pour les maraîchers nantais. Et redescendre avec du granit, avec du bois de la région nantaise, des industriels, des gens qui commerçaient là-bas. On échange, on descend avec ce produit. Et également, comme ça, on a fait pour la première fois. C'était au Martin. J'en reviens donc, on commence à trancher, on tire une ligne, ensuite il y avait un coup de truscain qui était donné de 40 cm sur le territoire, sur le terrain. On prenait le salet, c'est l'outil qui est ici, le personnage à l'ancien. Le salet c'est un outil qui est droit, avec une tranche par en bas de cette largeur de motte. Puis on tranche à la verticale, on tire perpendiculaire en coupe une motte de sa largeur. Ensuite on la taille comme ça, avec le salet, et ensuite le personnage il descend dans le trou et il fait un relevage avec une pelle spéciale qui est plate, vous voyez. Voilà, il relève ses mottes, il les met sur le terrain. Une super ambiance, hein, la coupe de la motte, hein. C'était la caresse. Hein. Les familles venaient, les enfants étaient là, on mangeait, on pique-niquait. Il y avait le trou qui servait à mettre les boissons au frais. Elles sont déchargées ici, elles sont virées, quoi. On les vire gentiment, faut pas les passer. Hein. On les couche, elles sont reprises ici pour être en séchage. Vous voyez, il y a une séchage supplémentaire. En javelot. Alors en javelot parce que les mottes, vous voyez, elles sont mises en quinconce, elles sont aérées parce qu'elles sont jumelées comme ça. L'air passe dedans et le soleil.
et agir dans un lieu de calme. On leur donne des trucs. Ah bah quand même. Ah bah tu prends. Mais non.